Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Les Cendrillons Scrap et oui, j'ai envie de vous proposer un petit concours sur le thème d'automne et féerique dans les bois. Parce que j'ai envie, on a des personnages dans les bois, des nains ou ce que vous avez envie, c'est fait partie des féeriques. Alors, dans ce concours, je vais vous demander de me faire une création. Ça peut être un lutin, un gnome, ce que vous voulez, hein, ce que vous avez envie. Sur le thème de l'automne ou de la forêt. Alors, je vais vous demander de faire une création, mais aussi de me faire une carte de dimension de 15 sur 20 cm sur le papier de fond de 160 grammes. Il faut que ce soit un petit peu épais, votre carte, d'accord? Voilà. Je ne demande pas qu'elle soit pliée en deux, bon, comme vous avez envie. Sur le thème de l'automne ou sur le thème féerique dans les bois, ou vous pouvez mélanger. C'est pas mal aussi de mélanger les choses, c'est pas grave. Je veux que dans cette carte, il y ait le chiffre de votre porte-bonheur ou le chiffre que vous aimez bien. En mettant le 7, vous allez la glisser sur votre carte. Je veux voir en chiffres. Ça peut être en feuille, ça peut être normal, avec ce que vous avez envie. Je veux voir votre chiffre à l'intérieur. Sur l'arrière de la carte, je vais vous demander nom, prénom et adresse, votre mail et votre chaîne YouTube et votre date de naissance pour les adultes. Pour les enfants, je demande la même chose de carte. Même 15 sur 20, c'est déjà pas mal. Et je veux votre nom, prénom, âge, parce que vous êtes des petits-enfants, et votre adresse, c'est tout pour les enfants. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis j'espère que ce concours vous fera plaisir. Donc ce concours est différent des autres. Tout le monde est gagnant, mais... Si vous avez le même chiffre que votre partenaire, que je vois dans les cartes, il y a beaucoup de 7, beaucoup de 6, je ne sais pas, eh bien, je ferai par rapport, je mettrai 7A, 7B par rapport aux arrivées. Il y aura les cadeaux par rapport aux chiffres que vous avez gagnés. D'accord? Donc, je vous laisse mon adresse mail. En dessous du titre, je mettrai mon adresse personnelle. Si vous voulez m'envoyer, n'hésitez pas, je vous laisse jusqu'à... fin novembre, début décembre.